Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de problèmes CM1 CM2. Nous sommes encore sur les problèmes multiplicatifs et nous travaillons une nouvelle fois sur les problèmes de rangée. C'est parti. Cette leçon porte sur des problèmes multiplicatifs. On se rappelle, un problème multiplicatif est un problème qui peut être résolu par une multiplication ou une division. Pour trouver la bonne opération, il faut bien comprendre le problème. Pour vous aider à bien comprendre un problème, nous allons étudier différentes sortes de problèmes. Comme la dernière fois, nous allons travailler sur des problèmes de rangée. Voici le schéma qu'on utilise pour les problèmes de rangée. Dans ces problèmes, des rangées contiennent toutes le même nombre d'éléments. Donc on a un certain nombre de rangées. Dans chaque rangée, il y a un certain nombre d'éléments. Et ce qu'on cherche dans un problème de rangée, c'est le nombre d'éléments total. Lors de la séance précédente, nous devions trouver, c'est ce qu'on disait à l'instant, le nombre total d'éléments. Ça veut dire qu'on s'intéressait à la grande case. En tout, combien y a-t-il d'éléments? Aujourd'hui, donc la dernière fois, nous devions multiplier le nombre de rangées et le nombre d'éléments par rangée pour obtenir le total. Aujourd'hui, nous allons travailler sur autre chose. Allez, on y va. Ma tablette de chocolat compte 48 carreaux. Dans chaque rangée, il y a 4 carreaux. Combien y a-t-il de rangées dans ma tablette? Ah ah, là on change. Dans ce type de problème, on ne parle que d'une seule chose. Ici, on parle de carreaux de chocolat. Cette fois-ci, on connaît deux choses. Le nombre total de carreaux. Combien y a-t-il de carreaux en tout? 48. Et on connaît une deuxième chose. Donc le 48, attention, hein, c'est le nombre total d'éléments. C'est pas comme les problèmes de la première séance. Aujourd'hui, on va connaître le nombre total d'éléments. Le deuxième élément qu'on connaît, c'est le nombre total de carreaux par rangée. On sait que dans chaque rangée, il y a 4 carreaux. Donc, je connais le nombre total d'éléments. En tout, il y a 48 carreaux. Je sais qu'il y a 4 carreaux par rangée. La question, combien y a-t-il de rangées? Aujourd'hui, nous allons chercher une des données. Donc on connaît le nombre total, on cherche soit le nombre de rangées, soit le nombre d'objets par rangée. Alors, quelle opération doit-on poser pour trouver combien il y a de rangées? En fait, il faut prendre le nombre total d'éléments et le diviser, le partager en rangées de 4, comme ça nous donnera le nombre de rangées. Un partage, c'est la division. Donc on va prendre le nombre total d'éléments divisé par la donnée que je connais. Ici, on va faire 48 divisé par 4, on pose l'opération, ça nous donne 12. Dans ma tablette, il y a 12 rangées. Aujourd'hui, nous allons chercher une des données. Ça veut dire que je connais le nombre total d'éléments et une des données, je cherche l'autre. À chaque fois, je connais ce qu'il y a en tout, je connais soit le nombre de rangées, soit le nombre d'objets par rangée et je cherche ce qui me manque. Donc, dans tous les problèmes d'aujourd'hui, on va devoir diviser le nombre total par la donnée qu'on connaît. Allez, on prend d'autres exemples pour être bien sûr de comprendre. Dans une salle de classe, il y a 32 bureaux. Ils sont disposés en 4 rangées. Combien y a-t-il de bureaux par rangée? On y va. Ici, on parle de nombre de bureaux. On sait deux choses. Première chose, en tout, il y a combien de bureaux en tout? 32. Donc le 32, c'est le nombre total. Ça veut dire que je vais le mettre dans le rectangle. Mais je sais aussi qu'il y a un certain nombre de rangées. Combien y a-t-il de rangées? Il y en a 4. Donc je sais que mes bureaux, ils sont disposés en 4 rangées. Ce que je cherche, c'est le nombre de bureaux dans chaque rangée. Alors, on connaît le nombre de total d'éléments, on connaît le nombre de rangées, on cherche le nombre de bureaux dans chaque rangée. On va donc devoir partager le nombre total d'éléments par le nombre de rangées. Ça nous donne une division. 32 divisé par 4. 32 divisé par 4, ça donne 8. Réponse, il y a 8 bureaux par rangée. Tissaya a tracé un rectangle dans lequel il y a 162 carreaux. La largeur de son rectangle est de 9 carreaux. Quelle est la longueur du rectangle? Ici, on parle de quoi? Ici, on parle de
Nombre de carreaux. On connaît deux choses. Première chose, on connaît le nombre total de carreaux qu'il y a dans le rectangle. Alors, combien y a-t-il de carreaux dans le rectangle? Il y en a 162. Donc, 162, je vais l'écrire au milieu dans le grand rectangle. Je connais une deuxième chose. Je connais la largeur du rectangle. Donc, la largeur de son rectangle est de 9 carreaux. Donc, le 9, je l'écris à gauche. On va devoir chercher la longueur du rectangle. Quelle opération doit-on poser? On prend le nombre total de carreaux et on va diviser par le nombre, la largeur du rectangle. Donc 162 divisé par 9. Là encore, je suis obligé de poser mon opération. Ce qui donne 18. La longueur du rectangle est de 18 carreaux. Ma salle à manger rectangulaire a une superficie de 48 mètres carrés. Sa longueur est de 8 mètres. Quelle est la largeur de ma salle à manger? Ici, on parle des dimensions d'une pièce. On parle de sa superficie, donc de ses dimensions. On connaît deux choses. Première chose, on sait que la superficie totale est de 48 mètres carrés. Donc le 48, on va le mettre au centre. Et on sait aussi que la longueur de la pièce est de 8 mètres. Donc le 8, on le met à gauche et on cherche la largeur de la salle à manger. Pour trouver ça, quelle opération doit-on poser? On prend la superficie et on va diviser par la longueur, ce qui va nous donner la largeur. Donc 48 divisé par 8 est égal à 6. Ma salle à manger a une largeur de 6 mètres. Gardons un exemple et à vous de jouer. Donc cet exemple-là, il est sur votre feuille de travail. Il va vous aider à garder l'opération en tête, la procédure en tête. Donc, on garde ça en tête et on se met au travail.